Jamais. Nangadev. Idrissa. C'est pas possible. S'ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Hein? Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Mourir! Tu dois tirer où? Il faut qu'on soit fort! Je les vois! Les Allemands arrivent!
continuez à avancer. Plaquez tous les Allemands qui vont nous laisser dans la zone. Maintenez la ligne de défense. Ouais, on a réussi. Marche.
canot sauvera des vies. De vraies vies. C'est concret. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Let's go.
L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille des... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là.
will nicht, dass wir die Relöre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Ein richtiger Kussmund. Im Moment würde ich dafür zahlen, eine Frau noch zu sehen. Mon Dieu! Man öffnet die Küche! Tant de morts. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Barrage droit devant, avec des gardes armés. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Der Kommandant will nicht, dass wir die Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln.
Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux.